Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Regardez-moi cette magnifique maison MDR. Dans quelques instants, nous ne la verrons plus. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest, la saison 2, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire également. Moins de choses à dire qu'à faire, mais tout de même, un petit clin d'œil à Fiorenza Biancola. Et vous étiez quand même nombreux à me le dire. Souvenez-vous, quand nous étions en galère dans les grottes, puisque je n'ai plus de piles, hein, je le rappelle. Ah, mais il m'en reste une maintenant, ça y est, j'en ai récupéré. Mais je n'avais plus de piles pour alimenter, bien sûr, soit la lampe de poche ou même les lunettes de vision nocturne. Donc, du coup, j'utilisais mon briquet, mais c'était pas fameux pour ceux qui demandaient. C'est pour ça que j'utilisais également le flambeau qui permettait quand même de bien éclairer. Eh bien, vous m'avez tout simplement souligné que je pouvais utiliser la lampe sur le rail de pistolet. Voilà, fixation pour torche. Je n'avais jamais fait attention à ça. Je ne sais plus à quel moment je l'ai récupéré. Voilà, je sais pas quand est-ce que je l'ai récupéré, mais en effet, je l'avais. Ce qui fait donc que j'ai une lampe. Bon, là, de toute façon, il fait jour. On verra ça plus tard. Je suis en train de mourir de soif. Bougez pas, je vais boire. Maintenant, j'ai trois carapaces, enfin trois collecteurs d'eau, bien sûr. Chose que j'ai fait en off, j'ai récupéré du coup des carapaces de tortue, à savoir donc là-bas, juste en face. Dans tous les cas, on va y retourner, puisque Mal Del Fabro m'a dit que le deuxième papier de construction est dans la grotte du respirateur d'air. Donc je vous rappelle, la nouveauté, c'est cette upgrade machine, qu'on va appeler comme ça. Il y a un deuxième papier à récupérer, et apparemment il se retrouverait du coup dans la grotte là-bas, là où il y avait justement une nouvelle grotte. Donc on va y aller aujourd'hui dans tous les cas, comme ça bah d'ailleurs on pourra récupérer encore et encore des carapaces de tortue. Eh, j'en ai encore une en stand-by du coup. Alors, ça faisait pas partie du projet, tant qu'on y est on va quand même tout de suite le refaire, parce que ça permet de stocker un maximum de pluie, et puis de toute façon au moins ça stocke également les carapaces de tortue. Donc je vais refaire de ce pas un collecteur d'eau, on ira récupérer les tortues, et j'en profite également pour faire un clin d'œil à VRVNR1 qui me dit que clic gauche enfoncé avec le katana, ça finit les ennemis au sol en faisant ça. Et c'est absolument magnifique, et c'est ce que j'ai fait pour choper les tortues. C'était absolument cruel, je peux vous dire que je les ai one shot et ça fait plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, donc pour commencer l'épisode, on ira du coup là-bas. Enfin non, pas pour commencer l'épisode, on va faire ça dans un instant, on va aller là-bas. Si, pour commencer l'épisode, pardon, je m'en mêle. On va aller là-bas dans la grotte pour récupérer donc le dernier papier. Et ensuite, nous détruirons, oui messieurs, dames, nous détruirons la maison. Mais on va faire ça intelligemment. Je récupérerai d'abord tout ce qu'il y a à récupérer dedans, évidemment. Soyons pas débiles. Et on conservera un maximum de bois pour la nouvelle maison. C'est pour ça que je vais pas le faire maintenant, parce que sinon les bûches risquent de despawn. Autre chose, regardez, vous l'avez vu, ici il y a une tyrolienne qui est apparue, c'est moi qui l'ai mise. Regardez, il faut que je vous montre un truc. Tout simplement par hasard, je me suis retrouvé ici. J'ai essayé, je voulais à la base faire du coup un accès pour aller tout en bas jusqu'à tout en haut. Alors vous vous doutez bien, avec donc, wow, regardez la hache en or. J'avais oublié qu'on l'avait amélioré. Vous vous doutez bien qu'avec le... il est là, le pistolet à cordes. Donc vous voyez, je peux aller jusque là-bas. Encore, vous voyez même pas le point, attendez. Je dirais que je suis en train de vous mytho. Là, voilà. Vous voyez le point? Voilà, je peux l'emmener donc jusque là-bas. C'est pour ça que j'ai mis une bûche. Ensuite, j'ai fait un checkpoint jusqu'ici. Mais par contre, on peut pas aller jusqu'en bas. Mais en faisant ça, eh ben, je me suis aperçu du potentiel de cet endroit-là où je suis actuellement. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'ici, il n'y a pas de monstre. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, mais je me suis rendu compte, parce que j'ai passé, on croirait pas, mais j'ai passé pas mal de temps sur cette plateforme-là, ici, là où je suis actuellement. Enfin, j'appelle ça une plateforme. Sur ce flanc de colline, j'ai passé pas mal de temps pour analyser les environs, bah, surtout pour essayer de mettre un pistolet à grappin, enfin de lancer des grappins en bas, donc ce qui n'est pas possible. Et je me suis rendu compte qu'en haut il y avait toujours des monstres. Virginia, elle attaquait les monstres là-haut. Et ici il n'y a jamais eu de monstres. Deuxième chose, Calvin et Virginia ne savent pas venir. Vous voyez, regardez, Calvin, vous le voyez en haut, il ne sait pas comment venir. Alors qu'à chaque fois il trouve toujours un moyen de nous rejoindre en passant par un chemin, etc. Donc là il pourrait venir par là-bas, ils ne viennent pas. Donc je considère que les bots ne peuvent pas venir ici. Même si, en effet, là, on peut y aller à pied rapidement. Comme ça, je récupère des petits bâtons. En ce début d'épisode chill. Évidemment, plus je vais me rapprocher de là-bas,
et plus je vais me rapprocher donc du chemin qui me permet, alors le chemin qui n'existe pas donc, hein, mais le chemin qui me permet de monter à ma base, vous voyez. Mais ici visiblement les monstres ne viennent pas, alors je me trompe peut-être. Peut-être qu'à un moment donné on verra les méchants passer par là où je passe actuellement. Mais il faut le dire, je n'en ai jamais vu ici. Je n'en ai jamais vu et d'ailleurs j'avais pas capté, mais c'est peut-être parce que là, bah si là ils pourraient quand même grimper là. Ah, je suis pas allé jusqu'au bout. Bah si là ils pourraient monter là. Là ils pourraient complètement monter. Alors faudra peut-être faire une expérience, je ne sais pas. Attendez, j'ai faim. Donc je sais pas, j'ai l'impression que les méchants ne passent pas par là. Et c'est absolument formidable parce que par définition, donc là c'est le fameux chemin qu'on monte pour aller à notre base en haut. Je me rends compte que donc là-haut on est déjà alors j'allais dire qu'on est safe, oui et non, puisque évidemment les mutants etc ils viennent quand même. Mais comme on l'a dit, ils viennent de deux côtés seulement, ils peuvent pas venir d'ailleurs. Donc comme quelqu'un l'avait souligné en commentaire, je ne sais plus qui, je suis désolé, mais voilà, il suffit de mettre deux barrières de chaque côté, bam. Enfin une barrière de chaque côté et puis plus personne peut venir. Mais là c'est encore mieux parce que là il y a absolument personne qui vient. Alors faut voir hein, peut-être que quelqu'un viendrait, je ne sais pas. Mais du coup, vous voyez ici, il y a carrément le potentiel de faire une petite maison. On pourra toujours voir le lever et le coucher de soleil, surtout le coucher de soleil. Ou alors sur le flanc là où j'ai mis le... C'est peut-être mieux, c'est un petit peu plus haut quand même. Juste ici là où il y a la tyrolienne, on pourrait faire une petite maison. Enfin la fameuse maison que j'ai envie de construire. Parce que comme dit, le but c'est de faire une petite maison cosy, pas trop grande. Donc est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas, sachant qu'en plus, en détruisant la maison, il y a des bûches qui vont voler. Mais les bûches elles vont voler jusqu'ici. Elles vont pas forcément... Allez, je vais en perdre quelques-unes dans l'eau, mais pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. On va essayer de faire ça intelligemment. Mais dans, par définition, je vais pouvoir ramener le bois ici. J'aurai même pas besoin de déforester, parce que là les arbres sont magnifiques et j'ai touché aucun arbre ici. Comme ça la déforestation en haut, bah c'est pas grave, on la voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici ce serait vraiment... je sais pas, je trouverais ça super sympa. Faut voir si c'est possible de faire une plateforme parce que, vous voyez, oui, si la maison pourrait la faire construire. On peut voir, si on met la bûche la plus extrême ici, on arriverait à en reposer une là. Une. Allez, jusqu'à là, on pourrait faire une maison déjà de 4 de large, sachant que j'ai pas envie de faire une 4 de large. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Pas maintenant, d'abord on va aller dans la grotte, mais on va faire ça dans cet épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est long puisque je vais étendre, eh bien, mes jours de tournage sur plusieurs jours. Comme ça, ça vous fera un épisode plutôt sympa. Là, j'étais juste en train de regarder un truc. Petite cabane en rondin. Ça permet déjà de se faire une idée. Juste. Et puis ça permet de voir s'il y a des monstres qui vont venir entre temps. Bon, déjà, les monstres, ils viendront pas de par là. Hein. Vous voyez là où je suis ici. C'est pas possible de faire venir des monstres ici. Donc c'est vraiment chouette. Donc là déjà ma maison, je pense, parce que là l'idée c'est de faire une petite maison cosy. Donc ce sera 2 de large, on va utiliser beaucoup de pierres. Ce sera pas grand, ce sera pas haut. Ce sera juste un tout petit peu plus long. Donc déjà je peux faire commencer ici et terminer même là. Donc il y a moyen, de faire quelque chose, on essaiera. Là écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup eh bien remonter. Parce que mine de rien, bah, le soleil se couche. On va dormir. Oh là. On va dormir et puis on va aller dans la grotte. Même si on pourrait y aller de nuit parce que c'est le moment parfait. C'est le moment parfait d'y aller en fait. Vu qu'il va faire nuit. Bah non, oui. Soyons malins. Attendez, j'ai une marmite sur moi. Non, j'ai quand même pas de marmite sur moi. Ok. Eh ben on va y aller du coup les amis. C'est le parfait timing. En plus sur moi j'ai à manger. J'ai pas à boire. Si, au propre, à fond les ballons. Et j'ai une bourse en cuir. J'en ai même plusieurs. Peut-être qu'il y aura des sodas dedans, qui sait. Non. Cette fois c'est la bonne. Pas du tout, mais on a des piles. Et ça c'est chouette. Et des médocs. Et ça c'est chouette. Allez, bah c'est le moment les amis. Du coup on va s'élancer. Hop, direction. Alors voilà, quelqu'un m'avait demandé d'ailleurs ma technique. Comment je fais pour la technique du deltaplane. Alors vous voyez, je descends et je monte, tout simplement. Ça, c'est la façon simple. J'ai vu ce tuto sur YouTube. Mais je peux vous dire que, bah, de toute façon, vous avez vu hein, les précédents épisodes, comment je galérais. Ça, ça se fait avec, comment on dit, l'expérience. Et là, si je fais demi-tour, normalement, je suis encore plus haut qu'avant. Bon, on voit même plus ma maison, là. Mais juste en face, vous avez vu, je suis encore plus haut que là où j'ai décollé. Donc là, je vous remonte, je redescends. Le but, c'est de prendre de l'élan, pas de descendre tout en bas. Et après, tu remontes et tu te laisses faire.
Et avec vu que tu as eu suffisamment de vitesse, et ben tu remontes de plus en plus haut. Regardez comment je suis super haut par rapport au lancement. Je rappelle que je viens de décoller de la maison. Et dès que ça se calme, dès que soit tu te remets stable, ou soit tu descends et tu refais la technique un million de fois. Mais j'ai vraiment galéré pour arriver à ce résultat. Quand tu commences de tout en bas, c'est compliqué. Donc faut vraiment s'entraîner à le faire de tout en haut, c'est quand même mieux. Enfin après non, je sais pas, je saurais pas dire, c'est quand même bien de commencer d'en bas. Mais voilà, après tu comprends mieux le fonctionnement quand tu commences de tout en haut, comme ça t'es tranquille. Tu te foires pas, t'as pas à recommencer à redécoller. Donc voilà, c'est un truc qui ça se fait au feeling au fur et à mesure. Tu vois là je descends en piqué. Là j'ai beaucoup descendu, donc j'ai quand même beaucoup d'élan pour quand même remonter assez haut quoi. Mais bon là c'est pas le but. Là le but c'est de descendre. Y a pas une marmite à récupérer là. Tout à fait hein. Y a une marmite à récupérer dans ce campement hein. On ira après. On ira après parce que là il fait nuit, j'ai pas envie de me faire victime bolos. Faudra qu'on récupère la marmite. Comme ça on aura une deuxième marmite en stock. J'y ai pas pensé quand j'ai cherché les carapaces de tortue. Donc voilà. Hop, on arrive. J'espère que j'ai pas de gens qui m'attendent. Donc normalement je prends pas de dégâts si je fonce tête baissée normalement hein. On essaye. Superbe. Ça c'est pas mal. C'est dire que j'osais pas faire ça au début. Alors il y a des chauves-souris qui viennent d'apparaître. Ça m'a fait un petit peu peur. On va essayer la lumière du pistolet du coup, messieurs dames. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous aviez raison? Et vous aviez raison. Et du coup c'est à l'infini alors. Il n'y a pas besoin de pile pour avoir ça alors. C'est ça la subtilité, c'est ça. Visiblement il n'y a pas besoin de pile. Très bien. Et bah c'est parfait, ça permet de faire des économies. C'est vrai que ça éclaire bien. Bon la localisation à chaque fois je le refais mais on l'avait déjà découvert. Là ça permet de récupérer des réservoirs d'air, des crânes, bah j'ai déjà. Ça permet de récupérer des munitions d'armes. Bah justement pour mon pistolet si je ne m'abuse. Alors j'aimerais bien que vous me redites en commentaire s'il vous plaît, je compte sur vous. Souvenez-vous le fusil à pompe qu'on avait trouvé. Le fusil à pompe, je parle bien, le fusil à pompe que Virginia possède. Je ne parle pas de ce fusil que j'ai. Je parle bien du fusil à pompe qui d'ailleurs est normalement ici, je sais plus. Bref, le fusil à pompe. Dans quelle grotte on l'avait découvert les amis? Ah non. Ah bah désolé, j'ai la réponse. C'était là où on a creusé avec la pelle. C'est un endroit où on a creusé avec la pelle. Parce que j'aimerais bien le récupérer de nouveau et en même temps le laisser à Virginia. J'ai pas envie de lui prendre à Virginia parce qu'elle s'en sert super bien. Et en même temps moi j'aimerais bien de nouveau le fusil à pompe. Parce que bah il est quand même badass. Donc ouais, on récupérera de nouveau le fusil à pompe un jour. C'est beau. Bon normalement il n'y a pas de monstre qui a respawn hein. Sinon c'est chiant. Ça éclaire pas de ouf. Ah si, ça éclaire bien mais c'est pas. Le rayon n'est pas incroyable. Voilà. Alors. Ah, c'était pas là qu'on avait récupéré le recycleur d'air, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de monstre. Ah si. Si si, ça respawn totalement. Il y en a même un petit peu trop à mon goût. Ah. Alors, je vais prendre mon katana cheaté du coup. Plus la lampe de poche. Ok. Voilà, je l'ai one shot. Regardez. Ah. Ah ouais. Alors lui en priorité. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Voilà, il est mort, il est mort. Voilà, il est mort. Eh, ça one shot hein. Regardez. Ah ouais. Bon je sais pas si on voit bien dans la grotte. Bah j'ai tué tout le monde. Y'a littéralement plus personne. Incroyable. Eh c'est vraiment cheaté là. En fait le katana de base il est quand même assez sympa. Mais le fait de l'avoir upgrade dans la machine. Alors c'est là qu'on va voir quelques petites problématiques les amis. Ah j'entends encore un monstre. J'ai cru entendre encore un monstre, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là où on va avoir un problème,
C'est que là c'est quand même beaucoup plus cheaté. On one shot les ennemis quasiment. Les gros mutants, bah c'est un plaisir, clairement. C'est un plaisir. Mais du coup, je pense que par la suite, les prochaines mises à jour, bah soit ils vont patcher les armes, donc les rendre plus faibles. Même si ça, je pense pas. Moi, je pense surtout qu'ils vont soit ajouter des nouveaux monstres, beaucoup plus forts, ou soit qu'ils vont tout simplement améliorer l'attaque de certains monstres, enfin la résistance de certains monstres. Et ça, ça va être terrible. Parce qu'en même temps, d'un côté, là, c'est quand même vachement cheaté, vachement facile. Ça me plaît, hein. Mais c'est vrai que c'est vachement facile. Alors, la nouvelle grotte, c'est par où de nouveau? C'est par ici? Je crois que c'est par là que c'est nouveau. Oui, maintenant, il y a des croix suspendues en bois. Donc, on y vient. Oui, la musique m'a fait un petit peu peur. Je vais pas vous le cacher, la musique m'a fait un petit peu peur. Alors, on avance, on s'élance. Est-ce que je peux boire l'eau, là? Non. Dommage. Putain, j'ai crié comme un con, quoi. J'ai un petit peu honte. Putain, ils m'ont fait peur, eux. Alors... Ça, ça fait plaisir, je suis toujours full. Va savoir pourquoi. La corde, et la corde on peut rien en faire quoi. Ils ont toujours pas créé un truc. Voilà, on peut faire une armure d'os et corde de zipline. Mais on peut toujours pas faire de, je sais pas moi, pour transporter du bois, pour transporter plus de pierres. Non, rien de tout ça. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais en profiter. Shatterton, et il veut quoi? Des eaux, mais j'ai même pas d'eau moi. J'ai même pas, ah si là pardon. My bad. Voilà, comme ça au moins je vais me vider un petit peu. Pardonnez-moi d'expression hein. Je vais me vider voilà de ces cordes. Voilà, comme ça je peux en récupérer deux. C'est vraiment formidable. Et de une et de deux. Voilà. Alors ça c'est chiant. Bon, comme dit, je vais l'arracher normalement. Ça devrait pas poser problème. Là je vais attendre qu'il me saute dessus. Voilà, saute-moi dessus. Maintenant. Ah non, mais il y a l'autre maintenant qui vient là. Viens voir. Hop là, ça t'es mort. Il reste plus que lui. Allez, saute-moi dessus quand tu veux. Voilà, bon allez. Bah voilà. Ah, je lui ai mis allez, 3-4 coups je pense. 3-4 coups il est mort. Non, c'est quand même assez dingue. Et il m'a mis aucun dégât quoi. Non, c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis c'est quand même vachement cheaté. Oui monsieur. Voilà. Non, c'est vachement cheaté en vrai hein. Un coup, un mort quoi. Donc on en profite pour le moment. J'ai plus de place donc je vais pas les dépecer. On en profite pour le moment, mais moi je me dis que ça va être quand même patché parce que ça me paraît voilà. Alors il y a des nouvelles croix. C'est surtout qu'ils ont fait réapparaître donc des monstres. Ça c'est chiant. Il est pas mort. Putain, il veut pas mourir hein. Voilà. Pardon, il s'est relevé. Ah ah. On se fout de moi. Je suis là hein. Ah, parce que j'ai plus de force aussi. C'est quand t'as la force au max aussi que ça fait quand même plus de dégâts évidemment. Bon, je vais boire, bah, je vais boire de l'eau. C'est bien de boire de l'eau les gars. C'est important même d'ailleurs, il faut boire de l'eau. Stay hydrated. On va se refaire plaisir avec, non cette fois-ci des sneakers. Des barres énergétiques, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est vrai, il faut le dire. Donc faisons-nous plaisir. Et là normalement je vais pouvoir à partir de là de nouveau one shot les vilains ennemis. Et j'ai des munitions, des grenades. Médoc, bah de toute façon je suis full. Donc la nouvelle grotte c'est à droite ça. Donc à droite c'est l'extension, c'est la nouvelle grotte si je dis pas trop de bêtises. Merci monsieur. Il me semble. On a des bébés. On a pété moi des bébés. Ok. Très calme. Non c'est pas là. C'est pas ici. Mais on a de l'alcool à récupérer. C'est pas ici là, je sais plus ce qu'on avait récupéré. A chaque fois je me fais avoir. Déjà l'autre fois je suis allé ici que c'était pas là. Donc c'était pas de ce côté là. Bon je sais plus qu'est-ce qu'on avait récupéré là les amis. Mais en tout cas c'était au début de l'aventure. Si je dis pas de bêtises. Ah, faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là. Ah la radio elle est là. Ok.
On continue ici. Ah bah non, c'est de là que je viens. Donc je vais de ce côté là plutôt. Oh. Voilà. On a une croix là. Oui, c'est bien par là. Là on a plusieurs croix qui nous viennent à nous. Pauvre homme. Des fusées éclairantes. Donc là on avait cassé ici, il y avait du bois. Ensuite on était descendu ici. Souvenez-vous messieurs dames, on l'avait déjà fait donc au patch précédent du coup. Patch 11 hein, si je dis pas de bêtises. Mais il n'y avait pas encore le nouveau plan de construction. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Bah c'était pas... Ah bah c'était l'artefact. C'était l'artefact me semble-t-il. Le premier artefact. Oh là. Il y a des crânes qui bougent frère. Non mais ils ont transformé vraiment ce jeu. Bien joué à eux hein. Donc là c'était le fameux petit labyrinthe. Me dis pas qu'ils ont rajouté des monstres maintenant. Non je pense pas. Par contre ils ont rajouté des squelettes. Je crois qu'il y avait pas ça encore avant. Et bah let's go. Voilà le fameux papier. Donc le dernier, le deuxième plan de construction. C'est une croix. Une croix lumineuse. Bien sympa, bien religieux tout ça. Et je pense que ça va brûler les démons. Attendez. Là c'était un cul-de-sac hein, normalement. Là c'était un cul-de-sac normalement. Bon bah on va y aller. Ça c'est nouveau ça. Oh my god. Ah non non c'est bon, c'est pas un cul-de-sac. Non non c'était bien là donc on avait, souvenez-vous, récupéré donc le premier artefact qui était bah, juste ici hein, tout simplement. Donc on a bien sûr les deux artefacts. Voilà, on a récupéré enfin notre plan de construction. Donc il n'y a plus rien à récupérer dans cette grotte. Donc ça, ça fait plaisir. On aura même resécurisé à nouveau la zone du coup. Donc ça c'est vraiment chouette. On va du coup ressortir, il n'y a rien d'autre à voir. Il me semble bien. Oui, à chaque fois c'est que des culs de sac. Très bien, donc on va ressortir. On va se prendre des carapaces de tortue. On va reprendre une casserole. Ouais, attends, parce que là ça me fait du tissu, j'aime bien. Et du fil. Ok. Voilà, on va se reprendre une casserole et puis on va retourner à notre base avec donc la technique du deltaplane que je vais essayer de vous réenseigner. C'est le mec. Et puis on va détruire notre maison et on va s'occuper de notre nouvelle maison. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Moi j'ai bon espoir. Et en plus, ce qui va être cool, c'était pas prévu, mais on est en haut d'une colline donc. Eh ben on pourra mettre la croix tout en haut. Donc c'est bien, d'un côté je me dis peut-être que ça va attirer tous les monstres. Et d'un autre côté je me dis peut-être que ça va brûler les démons. Parce que moi je me suis pas spoil hein, les gars, hein. Faut pas croire. Mais la croix quand tu la pointes sur les démons, ils sont censés brûler. Comment faire pour tuer et mettre des démons? Donc voilà, c'est par où qu'on sort, c'est par là. Voilà, super bonne ambiance en tout cas, j'ai bien aimé. Je peux faire ça? Superbe. Allez, par ici la sortie. Il est quelle heure? Il est 1h du mat. Tu vois, c'est quand même relativement bien, bien calculé. Parce que ça ne change absolument rien. Il fait quand même nuit. J'ai été beaucoup trop rapide. Ah, c'est mon petit côté rapide. Vas-y, je vais dépecer quand même pour voir si j'ai encore de la place. Mais je crois pas. Voilà, impossible. Superbe. Sachant que je suis full en termes d'armure. On est d'accord que je peux pas reporter par-dessus. Non, je peux pas. Je peux pas en porter davantage. Très bien. Eh ben écoutez, nous allons sortir. Bonjour monsieur, vous avez passé un sale quart d'heure, je le sais. Je m'en suis occupé de vous. Attends, je vais éteindre ma lampe de poche. Je vais reprendre mon briquet. On va faire des petites économies quand même. Ah là là, à chaque fois qu'on reprend le briquet, ça fait vraiment ambiance à l'ancienne quoi. Ça fait vraiment début d'aventure. Hein. Waouh. Oh des os. Ah oui, ça allait où là-bas, je ne sais plus. Je sais plus où c'est que ça allait là-bas. Est-ce qu'on tente d'y aller rapidement ou pas? Si déjà vu qu'il fait encore nuit. Je sais plus ce qu'il y avait hein. Mais je sens que je vais pas vouloir y aller. Hein. Ah bah ça devait être le respirateur aquatique ici. Rien de bien incroyable. Ah ou alors
C'était pour avoir la pelle. Oui, ça sert à rien qu'on y aille, les gars. A mon avis, ici, c'était pour avoir la pelle. Vas-y, la flemme. De toute façon, on a déjà la pelle. Allez, let's go, on sort. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Mais c'est toujours sympa de visiter les lieux de nouveau. Ça rappelle la bonne époque. Hop. Ah, oh, j'utilise plus de lumière, on s'en fout là de toute façon. Il ne reste plus que des cadavres. Bon, je vais quand même remettre le briquet parce que là sinon je sais pas où je vais. Mais tout va bien les amis. Ok. Ouais, c'est flippant là. Eh, c'est flippant en vrai hein. Soyez rassurés. Ce ne sont que des bouts de doigts. Dégueulasse. Dégueulasse. Allez, on sort les amis. N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr si jusqu'ici l'épisode vous plaît, parce que la suite va être absolument incroyable. Sachez-le. On peut pas tuer, on peut pas tuer les... C'est dommage que c'est juste des décors les chauves-souris quoi hein. Voilà. Bon, la question c'est de savoir est-ce qu'on dort ou pas là, parce qu'il fait nuit hein. 3h du mat. Parce que si je dors, il va être 11h quoi. Je vais pas me réveiller au petit matin, je crois. Bah au pire, c'est bon à savoir, on va faire l'expérience. Est-ce que ça va me réveiller à 5h du mat ou est-ce que je vais être réveillé comme un con à midi? Parce que de toute façon, dans tous les cas, dans tous les cas, voilà. Allez, hop, je dors. Voilà. Là, je dois avoir soif et faim. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut à boire. Bois. On va manger un bon pack juste ici. Ça, c'est super bon, ça. Et là, on regarde l'heure. L'heure. Il est 7h. Parfait. Donc, ça valait le coup. Ça, ça fait plaisir. Attends, je vais faire une petite sauvegarde aussi tant qu'on y est. Ça valait le coup, messieurs, dames. Est-ce que je peux récupérer ma bâche, éventuellement? Superbe. Ça, ça fait plaisir. Allez, on va s'occuper des tortues. Mais non, mais c'est même pas ici que j'ai chopé les tortues. Oh, c'est pour ça, quel con. Y a pas de tortues ici. Y a que des cannibales. Y a pas de tortues ici. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de tortues ici. Hein. S'il y en a, my bad. Hein. Moi, je suis allé à l'autre plage pour récupérer les tortues. Celle qui est là-bas. Vous voyez la plage là-bas? Bah c'est à cette plage là-bas. Alors technique, est-ce que ça marche d'ici? Je vais vers le bas. Voilà, je vais vers le bas et je frôle le sol. Et je monte. Vous avez vu ça? Et là je redécolle quand même pas mal. Donc faut faire attention quand même. On essaye de monter le plus possible. Tu vois, pour le moment je monte encore. Maintenant je vais redescendre. Et je remonte. Ça sert à rien de vouloir aller trop bas. Là vous vous rendez compte déjà qu'on prend de la vitesse. Et on reprend de la hauteur quand même de zinzin. C'est vachement réaliste me diriez-vous. Mais on va dire que c'est le vent hein. Vous avez vu, j'ai décollé de je sais pas quel rocher là, le rocher le plus bas j'ai envie de te dire. Et nous voici quand même assez haut. Donc c'est plutôt cool. Du coup est-ce qu'il y a des tortues ici ou pas? C'est ça la vraie question. Tu sais que ça me donne envie de chercher mon fusil directement là. Le fusil à pompe il est censé être où? Il est derrière moi le fusil à pompe normalement. C'est le point vert. Non, même pas. Je sais pas où il est le fusil à pompe. Est-ce qu'il y a des tortues là? Non, il y a encore des vilains là. Il n'y a pas de tortues là. Hein. On les voit bien. Hein, ils sont en train de rôder le long de la plage, n'empêche les machins là. Là, je descends. Je remonte. Bon, il n'y a pas de tortues. Bon, moi j'ai une casserole à récupérer dans tous les cas. Donc je vais quand même y aller. Par contre, ouais, c'est où le fusil à pompe là? J'ai du mal à me repérer. Sachant qu'on peut pas plus dézoomer. Le point vert le plus proche de moi en bas à droite, c'est le bunker. Et le point vert là-haut, il est en plein dans la pampa. Donc je pense que c'est celui-là, ouais. Et encore, je suis pas sûr. Bon, on va y aller, hein. Ça mange pas de pain. Avec le deltaplane, on peut tout faire. Donc on va quand même faire un petit détour. Confirmation qu'il n'y a pas de tortue ici. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de tortue. Mais au fond de moi je sais qu'il n'y a pas de tortue ici. Ok. De toute façon moi il faut que j'atterrisse ici pour la casserole. Mais ouais il n'y a pas de tortue là. Il n'y a clairement pas de tortue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais emmener mon deltaplane en haut.
Ça me permettra de redécoller sans problème. Hop là, juste ici. Guette-moi ça. Eh, je suis devenu un expert du deltaplane. Oh, reste là, toi. Hop. Voilà, bon, t'es très bien comme ça. Je suis un expert du deltaplane. Bon, du coup, ça va me permettre déjà de récupérer à nouveau les loots. Bon, même s'il y a des trucs qu'on a déjà en masse. Là, ça, ça fait plaisir, les Shatterton. À manger, ça fait plaisir. À manger la casserole. Donc, on a une deuxième casserole maintenant pour la maison. C'est parfait. Des munitions d'armes. Sachant qu'on aura à nouveau un fusil à pompe. Donc, c'est absolument l'idéal. Des piles. Voilà, on a vraiment bien fait de s'arrêter là. Plus ici, hop, grenade. Attention les jeunes grenades. Et manifestement pas de tortue dans tous les cas. Bon, après on voit que là c'est très pollué, en tout cas que les animaux s'échouent. Donc à mon avis c'est pas des tortues vivantes qu'on pourrait retrouver ici. Donc voilà, mais c'est pas bien grave parce que ça va nous permettre donc de redécoller, de repartir par derrière pour récupérer mon fusil à pompe. Si tout se passe bien. J'espère que c'est encore possible. Et puis on sera peut-être le long d'une plage et il y aura peut-être des tortues, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas on est parti les amis. Toujours un plaisir. J'espère que c'est bien ça. Oui oui, le point vert là-bas. À mon avis c'est bien celui-là hein. Eh, il y a des monstres partout. Enfin là du coup c'est des indigènes. Ils ont pas de tortues eux. Enfin là le problème c'est que j'ai plus rien pour décoller là. Là j'ai plus grand chose pour décoller. Si, il y a un petit rocher là dans la mer là, mais vous avez vu, je vole au-dessus de vous. Bon. Après au pire les tortues c'est pas grave hein. Ah, à mon avis c'est même pas ce point vert là. Ah si si, c'est possible. Bon allez, on va y aller. Là faut essayer de monter le plus haut possible. Bon, en attendant je vais quand même longer la côte. Voilà, on fait tout ça ensemble les amis, comme ça, ça vous voyez un petit peu ma technique. Vraiment pour ceux qui demandent comment je fais, c'est simple, je descends, je prends assez de vitesse. Je vais pas trop bas non plus quand je suis assez haut et je remonte et je profite un maximum de la montée. C'est à dire que là je vais pas redescendre tout de suite, je continue. Même si je ralentis, même si je vais moins vite. Vous avez vu, je continue toujours de monter. Et là ça y est, c'est fini là, j'arrive plus à monter, ça s'entend. Donc là je reprends de la vitesse, je redescends. Et je remonte. Faut pas monter trop en piqué, sinon bah tu te fais ralentir direct. Mais en même temps faut y aller, faut avoir l'audace. Donc donc voilà, putain, y'a un caddie de golf qui est renversé ici quoi. Putain mais c'est nouveau ça. T'en es venu, on se balade là. Comment ça se fait qu'il est renversé? Bon, si je peux récupérer une batterie. Parfait. Comme ça j'ai une batterie de golf. Je peux rien récupérer là. C'est tellement décevant. Tellement décevant. Bon écoutez, ça va nous permettre aussi de marcher un petit peu. De récupérer encore donc des batteries de golf. Vous voyez, c'est encore des endroits un petit peu pour le moment pas à l'abandon, mais disons qui servent à rien quoi. À part du coup maintenant récupérer des batteries. Ça c'est juste parfait. On va en avoir besoin hein, des panneaux solaires là. Voilà, tu vas te calmer. Prends, et souffle-toi tranquille. Très bien. Comme ça nous on se rapproche du point vert. Et vous vous souvenez, je posais la question dernièrement. Là les deux nouvelles grottes là. Parce que on n'arrête pas de retourner au même endroit hein, c'est quand même dingue. Mais ces deux nouvelles grottes avec du coup il y a un petit étang tout sympa, tout machin. Et je me disais, je l'avais jamais vu. Donc je confirme qu'à mon avis c'est bel et bien tout est nouveau. Parce que le point vert, si c'est bien là où il y a le fusil à pompe, si ça se trouve je me trompe complètement. Mais si c'est bien ça, ça veut dire qu'en effet j'avais jamais vu salut. Ça veut dire qu'en effet j'avais jamais vu ils font quoi là? Ils font de la méditation les mecs. Ils ont l'air heureux en tout cas ici. Ouais, ça se peut c'est... Mais non mais putain. Pardon, le point vert ça n'a rien à voir. On va pas du tout là où il faut. Le point vert c'est là où il y a les caddies de golf. Donc rien à voir. Ok, bah déjà là on s'est fait avoir. Bon là je peux pas. Vous voyez, je peux pas décoller là. J'ai pas assez. Ah oh, là je me suis fait un peu arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Le fait d'avoir un petit peu tourné autour de la map, là je me suis perdu. À mon avis ça va être en face, de l'autre côté de l'île, le fusil à pompe. Mais on va y aller hein. Je le veux moi le fusil à pompe, j'en ai besoin là. C'est simple. Là de toute façon on va pouvoir redécoller sans problème. Là je peux récupérer encore une batterie
Une batterie de golf. Je pense. Et puis pour moi je suis jamais allé là. Enfin, ça me dit rien du tout donc c'est toujours sympa. Non là y'a rien à récupérer, fuck. Bon là normalement je vais pouvoir redécoller, on va essayer. Non c'est même pas dit. Faut que je décolle d'une pierre. Et si là j'arrive à décoller franchement, c'est propre. Ok. Ouais non d'accord, ça ne marche pas. Voilà, des fois on s'enflamme un petit peu. Donc là pas le choix, il faut que je reprenne vers la mer. Si en plus je peux choper une tortue, moi je dis pas non. Mais là on n'y est pas. Mais c'est sympa aussi de se promener. Bon c'est juste chiant de se trimballer le deltaplane. Ça aurait été bien d'avoir un wingsuit sur soi. Peut-être prochaine mise à jour un wingsuit, qui sait. Mais c'est toujours sympa, vous voyez, de marcher par là parce que... À mes souvenirs, je suis jamais passé par là. Donc là, il pourrait faire des nouveautés quand même. Il pourrait rendre cet endroit intéressant parce que pour le moment, c'est très peu intéressant. C'est un endroit parfait pour s'installer. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Mais c'est un endroit cool pour s'installer, hein. Je pense qu'on peut le dire. Alors, on n'a pas non plus énormément de bois. Ah si, je suis passé par là une fois, oui, si. Aussi, quelque chose que je me demandais. Admettons, je construise ma maison ici. Vram, ici, boum. Et imagine, prochaine mise à jour, ils ajoutent quelque chose sur le même emplacement. Est-ce que la maison se détruit? Est-ce que ça va s'empiéter? C'est une vraie question que je me pose parce que... Ben, les deux nouvelles grottes qu'on a eues, elles étaient pas là avant. Et pour moi, y a des éléments qui sont apparus, en plus des grottes. Du coup, je me dis, si quelqu'un s'est installé là-dedans, est-ce que ça lui a cassé le bazar ou pas? C'est une vraie question que je me pose. Parce que imagine la base où je suis en train de m'installer. Imagine, ils vont nous faire une mise à jour et je sais pas, ils vont mettre un soldat pendu par exemple. Bah, imagine dans ma maison, je vais avoir un soldat pendu. Oh, la flemme. Flemme de ouf. Là, on va pouvoir redécoller. Attendez, je réessaye ici quand même pour voir. On sait jamais. Voilà. Ça suffit, donc là regardez, j'en profite, si déjà ça descend. Hop, voilà, comme ça je peux descendre. Bon, s'il y a une tortue, je m'arrête. S'il y a une tortue, je m'arrête, parce que c'est pas tous les jours que je vais aux tortues. Il y en a pas. Il y en a pas. Bon, cet endroit, je pense que vous vous en souvenez un peu. Enfin, pas ici précisément, mais un peu plus loin, vous allez vous en souvenir, puisqu'on est quand même passé par là assez souvent ces derniers temps, je sais, je suis désolé. J'avais pas pensé plutôt à récupérer le fusil à pompe. J'espère juste que c'est bien là où je vais, parce que... Bah là on va bien faire le tour de la map, hein. Là pour le coup là c'est vraiment un vrai tour de l'île qu'on est en train de faire. Donc je vous laisse profiter, j'espère que ça vous plaît un petit peu ces panoramas, ça change un petit peu des épisodes sombres. Même si on l'a commencé évidemment dans le sombre. Et puis c'est un gros programme aujourd'hui, hein, pour cette vidéo, hein, parce que mine de rien On va qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah non, il n'y a rien en bas, je crois qu'il y avait quelque chose en bas. On va construire du coup, on va détruire notre maison, on va en construire une nouvelle. Ah, c'est un épisode plutôt chargé. Je pense que vous le voyez à la durée de la vidéo, d'avance. Alors, est-ce que je vois un point vert? Eh ben, on arrive... on va arriver à notre première base. Mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Là, c'est la fin du jeu, là où je suis là. Là, ici, c'est la fin du jeu, d'accord? Donc ce point vert, c'est la fin du jeu. Le point vert derrière nous, comme on a dit, c'est le terrain de golf. Là, il faut qu'on trouve un point vert qui est dans la forêt. J'ai envie de dire dans la pampa, quoi. Genre vraiment au milieu de plusieurs chemins, souvenez-vous. Ça se trouve, il faut juste... Oui, c'est même pas là. Ah, il faut que je traverse la map. En fait, je viens de faire un tour dans le mauvais sens, quoi. Trop le seum. C'est pas grave. Ça permet de se balader, de s'amuser. Alors faites attention bien sûr quand vous faites la technique que je fais. Parce que parfois vous arrivez à passer au travers des arbres. Mais parfois vous prenez les arbres. Donc faut faire attention. Si vos pieds chatouillent, normalement c'est pas grave. Cependant, si vous faites pas attention, vous pouvez vous prendre un arbre. Même si vous prenez pas de dégâts. Le problème c'est qu'après il faut redécoller, quoi. Alors est-ce que je vais réussir à remonter? Et là vous allez vous souvenir de cet endroit, les gars. Ça va vous rappeler des souvenirs. Là par contre, là dans... quand ça monte comme ça là, tu peux tirer un trait, hein, normalement, hein. Tu peux clairement tirer un trait, mais je préfère y aller à pied et couper par là et puis redécoller. Parce que bah, parce qu'après il faut redescendre de toute façon.
Donc là, souvenez-vous. J'ai du mal à... Ah non, mais c'est vraiment de l'autre côté que je suis censé aller. Hein. Je me fais arnaquer en tout point, là. La base, elle est pile là-bas. Pile en face. Et moi, je dois aller pile là-bas, je crois. Oh, je suis en train de me faire arnaquer. Bon, les amis, moi, je sais où je dois aller. Je vous fais une coupure maintenant, parce que là, ça va être, à mon avis, un petit peu chiant. Jusqu'ici, ça allait. Là, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vous retrouve dès que j'ai le soupçon d'arriver à mon lieu. Je vous dis à tout de suite, les amis. Bah oui, parce que là, les amis, on se retrouve au niveau du Grand Lac. Donc, là où on avait justement... dernièrement, bah, c'est la dernière grotte qu'on a fait, le bunker. Avec un hélicoptère qui décollait, apparemment on l'a pas vu mais on l'avait entendu. Voilà, donc c'est clairement pas ici. C'est clairement pile en face de l'autre côté, donc je me suis vraiment fait arnaquer. Voilà, donc je vous dis en fait à tout à l'heure. Littéralement. Oh, attends, là y'a moyen. Y'a moyen que je me fasse arnaquer surtout. Ok, ça a l'air de marcher ma technique. Tu descends, tu montes. Faut y croire. Vous avez vu, faut y croire. Eh, là j'aurais pu me planter dans l'eau. Mais il faut y croire. Alors je préfère pas aller au milieu de l'eau au cas où je perds le deltaplane. Si je perds le deltaplane, je suis mort. Par contre, il y a des méchants partout. J'ai réussi. Bon, maintenant, ce que je vous disais à travers les arbres, c'est vraiment une autre histoire. Donc on va continuer à pied. Allez, des bisous. C'est bon, je crois que j'ai les amis. Le point vert en haut à droite du GPS, c'est celui-là. Donc c'est bel et bien ça, j'ai fait tout le tour de la map dans le mauvais sens parce que j'ai fait tout ça pour rien. Tout ça au final, ça me fout le seum parce que du coup juste à côté, c'est la plage où je vais pour choper des tortues. Donc si j'avais su, voilà, j'avais juste allé dans une seule direction, j'aurais eu et mes tortues et mon fusil à pompe. Bref, c'est pas grave, on y arrive. Normalement c'est bien le point vert où on va. Et si ça se trouve c'est même pas ça. Et dans ce cas là c'est excellent. Une énorme blague. Mais j'ai tendance à croire que c'est là. Et en même temps j'ai l'impression que c'est pas là. Attends, c'est quand même vachement bizarre. La map elle fait pas non plus un kilomètre. Oh putain, rien à voir. C'est là où il y a le... Putain, c'est là où il y a les avions. Il y a le village là-haut. Donc c'est un bunker. Mais comment c'est possible? Bah les amis, j'ai trop le seum. Je viens de vraiment faire le tour de la map. Et je viens d'avoir un flash, tout simplement. Voilà, je crois savoir où c'est que c'est. Et on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer parce qu'on a fait le tour de la map. Et encore pire, pour rien. Voilà. Donc on va voir si j'ai eu raison. Notre base, elle est où? Elle est là? Non, pas du tout. Non, elle est bien plus loin derrière encore. Ah mais là on a notre ancienne base. Excellent. Regardez comme elle est belle. Notre ancienne base juste ici. Magnifique, magnifique, magnifique. On y retournera un jour. Donc c'est sur cette plage là les amis que je cherche à chaque fois les tortues. Non. Si, c'est ça, c'est sur cette plage là que je cherche les tortues. Et on était sur la plage en face. Et on a fait tout le tour là-bas. Sauf qu'en fait, regardez, pile entre les deux, vous voyez cette forêt là? Voilà, entre cette plage et cette plage. Donc d'ailleurs, le point vert là-bas, là où il y a le bunker. Ben, au final, c'est quand même là-bas qu'il y a le fusil à pompe. Voilà, je suis un débile, totalement profond. Et je m'en veux. Mais c'est pas, à un moment on s'est baladé. Donc on va y aller au plus vite. On va récupérer le fusil à pompe. Ah mais je suis trop con. Putain, je suis vraiment allé à l'opposé quoi, quel débile. On récupère le fusil à pompe, du coup bah, on est à côté de la plage donc on récupérera les tortues hein, pour le coup. Et puis on retourne à la base. Voilà, donc là t'as le bunker. Et maintenant faut trouver à quelque part ici. Ah oui, parce que là je suis en deltaplane donc bon courage pour trouver. Il y a un village. Ça, ça va m'aider ça. Je sais plus où c'est moi. Je sais que c'est en plein dans la pampa. C'est peut-être par là même. Mais je sais que c'est ici en tout cas. Là ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, mon GPS ne fait pas bip bip. Ah.
Eh ben c'est super, je sais pas où c'est. Oula. Ouais. Bah je sais pas où c'est. En plus je suis débile, ça fera pas bip bip. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait récupéré le truc du GPS. Et ça, ça respawn pas. Et je suis en train de mourir de soif, je peux pas boire dans les airs. Formidable. Je vais boire de l'eau parce que là mon pote il est en train. Bah voilà, super. Oh my god. Bon. Bon, on va boire des baies. Enfin on va manger des baies. J'ai rien à boire là. Sans déconner. Bon, je peux boire l'eau de mer hein. Ça me dérange pas hein. Oh, j'ai trop le seum. Bah je vais rentrer à la base hein. Ni plus ni moins. Je vais rentrer à la base les gars. La queue entre les jambes. Et puis c'est tout. Si vous avez des astuces en commentaire, je suis preneur. Parce que je ne sais plus du tout où est le fusil à pompe. Voilà. Allez, je vous épargne le tout. Je vais rentrer à la base. Là je suis un peu saoulé. Et aussi avant toute chose, je voulais quand même souligner, parce que j'avais pas fait attention, mais c'est l'emblématique jour numéro 50 qui est en train de se terminer hein, puisque du coup il est 16h19. Mais voilà, c'est le jour 50. C'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Quelque chose me dit qu'on va en chier par la suite. Mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez, j'arrive au niveau de ma base. Regardez la nouveauté. Et mon pendu des... Superbe. Ça fait plaisir. Allez, de retour dans la base du coup. On en était où? On en était que le soleil se couche. Surtout qu'on va du coup enlever les meubles et les essentiels, bien sûr. Donc déjà, ce qui est pas mal, c'est que là j'ai un meuble rempli, donc ça va être compliqué de déplacer, me diriez-vous. Mais là l'avantage c'est qu'on a un meuble ici. Merde, bah c'est pas grave. On a un meuble qui est vide. Donc déjà c'est cool parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour tout simplement et bah, dispatcher tout ça. Donc on va mettre ça dehors. Je vais essayer de mettre ça quand même suffisamment entre guillemets loin pour être sûr, pour être tranquille. Je vais disposer tout ça les amis. Entre temps j'ai vu des commentaires encore de gens qui... Alors la majorité l'emporte, hein, vous voulez quand même que j'explose la maison. Au contraire c'est amusant. Mais d'un autre côté je sais qu'il y en a qui disent voilà Mkolo il s'est fait chier à faire sa maison, il veut la détruire, MDR c'est débile. Peut-être, peut-être, mais en attendant c'est vrai que le truc ne ressemble à rien et géométriquement c'est une galère. C'est juste un carré rectangulaire, il n'y a rien à faire. Donc voilà concrètement. Et nous sommes au jour numéro 51. Une nouvelle journée commence. Attends, j'ai plus rien à manger du coup vu que j'ai tout vidé là-bas. Alors je vais prendre ça. Des craquants croquants. C'est bon ça les craquants croquants. Attends, je l'ai récupéré, mais je l'ai récupéré où là? Ah non, c'est là-haut. Ah, oh, ça a changé de place. Pardon. Ça a dû... Non, ça a pas changé de place. J'en ai aucune idée. Écoutez, je récupère tout ça, tout ce que je peux. Ce que je peux pas, vous inquiétez pas, je récupère juste après. Voilà, je m'amuse à faire quelques allers-retours entre guillemets. Hop, tac, c'est pareil pour le soda. Normalement, voilà, je peux pas en prendre plus. Pareil pour la marmite, je ne peux pas en prendre plus. Mais je vais récupérer ça et je vais poser juste à côté. Ne vous inquiétez pas, j'avais cru voir que Calvin... Oh, je peux faire ça genre. Oh, c'est incroyable. Alors ça, c'est superbe. Ça par contre c'est super rentable. J'ai vu que Calvin arrivait, faudra qu'on fasse une expérience juste après avec lui. Parce qu'avec le patch 12 il y a un truc assez sympa. C'est très léger mais on va voir ça juste après. Alors pareil je viens de trouver la technique. Parce qu'à chaque fois c'est long de faire un par un. Et bah à chaque fois tu mets un truc et ensuite t'as juste à faire ça. Et voilà t'as compris? Incroyable. Attendez je vous montre juste un truc. Calvin est là. Normalement si je prends ça et que je lui montre, je sais pas ce qu'il va faire. Ok. Ok, il a juste fait une grimace. Ah ouais, il fait une grimace et un petit pouce un peu en mode gêné quoi. Ok. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce comme je l'ai fait. Ah putain. Il faut que je remette... Ah mais c'est pas grave, ça tombe bien de toute façon. Alors attends, est-ce que je peux... Ce serait incroyable, est-ce que je peux faire ça? Ah non, attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux mettre la monture là? Oh oui. C'est bon. Et là, la tête, bah je l'ai sur moi je crois. La tête, j'ai juste à la mettre. Oh non. Hop. Et voilà. Oh c'est... Hey, je suis en train de faire un meuble. Oh non! Calvin! Salaud, attends, je vais le one shot. Je vais te venger Calvin. Normalement ça devrait bien se passer. Ah ouais. Ah ouais. Oh regardez, je lui ai coupé la jambe.
Oh non, c'est insane. Non, attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. On va le laisser souffrir. Il fait même plus de bruit. C'est incroyable. Et voilà. Oh. J'ai cru que c'était son zizi. C'est incroyable. Et franchement, ce jeu est vraiment masterclass. Je le rappelle, hein. Mais chaque jour, le jeu nous rappelle que c'est masterclass en fait, hein. C'est juste impressionnant, hein. Oh, mais Kelvin, il se fait soulever la race aussi. Ah ouais, mais hey, alors là, Virginia, je vais avoir besoin de toi, là. D'accord. Alors toi, normalement, en deux coups, je te dégomme. Là, ça va devenir compliqué, là. Kelvin. Là, ça va devenir compliqué. Faudrait que Virginia réplique. Wesh. Wouah, je l'ai fait décoller carrément. Donne-moi ta bourse. Eh, pauvre Kelvin. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il est complètement con. Voilà, en 4 coups, hein. En 4 coups, il est terminé, hein. C'est juste phénoménal. C'est juste incroyable. Wouh. Voilà. 4 coups suffisent. 4 notes et un mot. Non, je sais pas c'est quoi la chanson. Bon, les amis, je continue mes péripéties absolument formidables. C'est absolument pas chiant ce que je suis en train de faire, hein. Mais c'est pas grave, c'est moi qui en ai décidé ainsi. Donc, à tout de suite, les amis. Non, bah en vrai, écoutez, ça se passe de ouf. Avec ma technique, ça va super vite. Il suffit juste de disposer à chaque fois un élément. Et après, t'as juste à regarder. Wesh. Je me suis retenu de crier. Laisse tomber. Je me suis retenu de crier. Bon, t'as compris, hein. Bon, là, de toute façon, j'ai tout disposé, je crois. Si, là, regardez, je peux encore aller ici. Voilà. C'est super rapide de faire ça comme ça. Donc là, voilà, j'ai déjà pu tout disposer sans aucun problème. Par contre, il est rentré, le mec. Non, mais là... Je vais... Eh, c'est quoi? Si j'avais encore rien à récupérer, je t'aurais laissé dedans. Je t'aurais explosé dans la maison. Ça aurait été incroyable. Par contre, il y a des bruits... Il y a des bruits légendaires. Virginia, c'est vraiment quand tu veux. Mais là, je suis en train de faire porte ouverte, hein, les gars. Là, ici, c'est pique-nique, les gars. C'est pour ça qu'ils viennent tous. Je suis en train de sortir mes meubles. Je suis en train de sortir mes meubles. Si vous voulez venir, vraiment, les gars, c'est porte ouverte. Mais attention tout de même. Bon, tu sais quoi, maintenant, les bûches que j'enlève, tant pis. Parce que, de toute façon, comment je récupère ce truc-là? Pourquoi je peux pas récupérer cette merde? Ah, oh, c'est pas vrai. Terrible. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais il est complètement con. Il va lui-même dans les pièges. Non, il y retourne. Oh, il est débile, il n'y a plus rien à faire. Ah, ah oui, d'accord. Et alors toi, mon pote, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein? Bon, allez, je continue. Bon, on arrive, vous voyez, sans problème, hein. Parce que là, en fait, c'est juste... Allez, tout ça, ça fera du bois gratuitement. Ah bah voilà, on se fait une porte d'entrée. Moi je veux récupérer juste ça, moi là. Je veux... C'est pas vrai. Et... C'était juste ça que je voulais récupérer, hein. C'est quand même complètement dingue. Mais c'est très bien parce que au moins ça me fait une petite ouverture. Alors attendez, je vais remettre d'ailleurs ma nourriture comme ça. Et comme ça. Et là par contre le seul problème c'est que j'ai pas le choix de faire l'un après l'autre. Ça marche pas comme dans les meubles. Kelvin, tu refais plus jamais ça. J'ai cru qu'on allait me sauter dessus. D'accord. Voilà. Hop, je récupère aussi le banc. Et bon, allez, je continue. Vous avez compris, les amis. Ça sert à rien de tout voir. C'est terrible. Évidemment, on va être malin. On va récupérer l'eau qu'il y a dans le réservoir avant de le déplacer. Parce que sinon, je vais quand même perdre la flotte. Donc, ce serait quand même assez couillon. Hop, voilà. Du coup, ça nous fait quand même 4 collecteurs d'eau, je le rappelle. Et ça, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, la majorité des choses a été sauvegardée. Allez, à la limite encore le petit nichoir. Comme ça, ça fait des petites économies. Si je peux... Non mais c'est incroyable. Incroyable, on peut placer ça là. Je vais... Bonjour monsieur. Voilà, je vais continuer. Alors, il reste plus que les ampoules et les fils. Là, ça, je m'en fous. Concrètement, je m'en fous. Ça, je peux pas. Voilà, je peux pas casser, mais c'est pas bien grave. Voilà, on va essayer de récupérer un maximum de bûches. Attends, par contre, ça, je reprends. Eh ben, parfait, peau d'animal. Et ça,
Et bah ici déjà, hein, hop, on va le placer là. Regardez-moi ce chantier, les gars. C'est même plus une porte ouverte, c'est vraiment un vide maison. Donc reste plus que les fils. Ah oui, les ampoules, mais aussi les panneaux solaires, très 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 important. J'ai mis le deltaplane déjà là-bas. Vraiment très important, ça c'est à ne surtout pas perdre. Je sais pas du tout comment ça va réagir quand ça va exploser. Oh, regardez les feuilles. L'automne arrive. Ah oui, il y a des feuilles oranges qui commencent à venir. L'automne arrive. Donc bonne nouvelle, ça veut dire que c'est pas encore l'hiver. Mais l'hiver arrive quand même. Non, on sera vraiment bien en bas. Franchement, on sera vraiment bien en bas. Je vous le dis, moi je la sens super bien. Alors est-ce que je peux... Ok, déjà je peux récupérer ça. Et je peux pas... Oh putain. Quel enfer. Est-ce que je peux récupérer... Ah, je peux pas en transporter plus. Ok. Ouais, je peux pas en transporter plus. Alors attends, ce que je vais faire, on va être malin. Je vais balancer ça. Je vais prendre ça. Je descends. Je balance. Hop. Je pose. Je prends. Et je pose. Et là, comme ça, j'aurai économisé tout. J'ai le reste dans l'inventaire, c'est parfait. Calvin ne fait pas de conneries. Ok, ça c'est bon. Ah oui, ça se stocke pas malheureusement, donc voilà. Et puis, ben, écoutez les amis, on va se défouler. On va voir comment ça va se passer. Si je peux encore récupérer ça, ce serait vraiment chouette. Eh ben écoutez, de toute façon, on s'en bat les steaks. Regardez comment on va faire. On va pas se prendre la tête, les amis. Non, franchement, c'est une bonne chose ce qu'on est en train de faire. On fait ça un peu barbare. Mais c'est vraiment une bonne chose. Et en plus, on sera pas embêté par les monstres, quoi. C'est ça la vanne, c'est que normalement on va pas être embêté, quoi. Par contre, où est l'ampoule et le machin là? Attendez. Là. Ok. Ah, je peux même pas transporter plus d'ampoules. Un plaisir. Je peux récupérer la ficelle. Voilà, c'était juste ça que je voulais, hein. Enfin le fil. Ça aussi peut-être. Est-ce que j'y arrive de là? Ah, ça marche vraiment bien. Ah, c'est un malheur, ça, par contre. C'est un vrai malheur. J'ai hâte, là. J'ai envie de tout faire péter. Plus, tu vois, ça me prend la tête, déjà, cette maison. J'étais tout content de vouloir faire un truc super haut. Mais ça sert à rien. Vous aviez bien raison. Sans déconner. Allez. Mais... On se fout de moi. Attendez. On se fout littéralement de moi. Ça, hop, tu vas te ranger dans le stockage, regardez. Hop là, magnifique, vous avez vu? C'est quand même bien. Voilà. Bon. Ok, d'accord, j'ai compris. Impossible. Mais c'est une plaisanterie, quoi. C'est une plaisanterie, je ne peux pas récupérer. Je ne peux pas récupérer mon... Je suis en train de me battre là pour une... Juste pour un fil. Et une ampoule, d'ailleurs, que je ne pourrais même pas récupérer, d'ailleurs. Parce que je suis full. C'est formidable. Eh bah tu sais quoi, va te faire foutre. Alors hop les amis, est-ce que vous êtes prêts? Ah Calvin. Aïe. Oui, alors attends. Voilà, Calvin vient. C'est pour vous ces cadeaux. Pas mal. Et Calvin, il adore le spectacle. Calvin, il adore le spectacle. Eh ben écoutez. Eh. On est des Black Blocks. Attendez. C'est où les Molotov? Là. Eh. Attendez les gars. Tout le monde déteste cette maison. Ce serait mortel si ça marchait. Hein. Mais je crois que ça ne marchera pas. La propagation du feu est très stylée, mais sur les constructions, je crois que ça marche pas. Je vais pas vous mentir, je suis un tout petit peu déçu. Alors attendez, j'ai aussi des explosifs peut-être. Non, même pas. Attendez, on va quand même en fabriquer. Hop. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Bon, on n'aura qu'un seul explosif malheureusement, parce que les piles, vous le savez, bah, c'est un petit peu ce qui nous manque en ce moment. Voilà, avec la conjoncture actuelle. Bah écoute, on va faire péter. Faut faire péter là où c'est le plus impressionnant. On va tous prendre dans la gueule. On va faire péter ici.
comme ça. Waouh, ça c'est impressionnant. Vous avez vu? Et aucune bûche ne tombe. Aucune bûche ne tombe. Donc vraiment, moi, je vais pouvoir tout sécuriser sans aucun putain de problème. Eh, j'ai juste à demander à Calvin de me ramener les bûches comme un bon petit toutou et franchement, carré dans le Brinks. Regardez, ramène des bûches, remplis le contenant. Et il va me remplir tous les contenants. Eh, c'est quand même formidable. Bon, tu feras gaffe parce que j'ai pas fini de tout faire péter, hein. Ça, je préfère te le dire. Donc là, j'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal. Grenade ici. Vous avez vu, il me récupère les bûches. Il est quand même bien élevé, hein, ce bonhomme. Allez hop, on fait tout péter. Attention, Calvin. Oula. C'est agréable, hein. C'est agréable, hein, quand même. Hein. Calvin, là, on va faire une bêtise. Bah là, t'es bloqué en fait. Attends, je vais t'aider quand même. Je vais t'aider à sortir. Voilà. D'accord. Je suis quand même plus efficace que toi, Calvin, j'ai l'impression. Hein. Allez! Sors, bordel! Il est bloqué, Calvin MDR. Bah, Calvin, tu fais quoi? Calvin? Il va falloir que tu sors, je vais t'envoyer une grenade. On bat les couilles. Ah oui, il est vraiment bloqué, Calvin. Ah oui, non, mais là. Là, c'est de la folie. Attends, est-ce que j'arrive à casser ça ou pas? Oh! J'aurais dû faire ça dès le début. Attendez. Ma hache en or. Regardez ce qu'on va faire. Je prends ma hache en or. Voilà. Eh. C'est magique. Bon, ça, il faudrait que ça arrête de me casser les couilles, ça. Je suis en train de tout défoncer. Allez, Calvin, fais un effort. Ah, c'est les barrières qui te dérangent. T'es vraiment nul. C'est bon, là, tu peux passer. Allez, Calvin, regarde tout le bois qu'il y a. Travaille un peu. Oh, c'est pas vrai. Bon, les gars, les grenades, on sait où en retrouver, de toute façon. Et ben voilà. Là, il s'est barré. Là, c'est chouette. Et alors là, mon pote, alors là, ça va être du spectacle. Là, ça va être du spectacle. Parce que si je fais juste ça, normalement... Allez, s'il te plaît. Super, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Allez. Superbe. C'est le bordel est invincible. Ok, j'ai compris. Tu veux jouer? Tu veux jouer? On va jouer. C'est ma dernière grenade. Hein. Ah! Wesh! Non mais là, Calvin, il faut pas faire des trucs comme ça non plus. Hein. Complètement dingue ce mec. Bah voilà notre magnifique maison. Non, est-ce que je peux casser ça, bordel? J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. J'ai l'impression que je peux pas détruire. C'est incroyable. J'ai plus rien d'explosif. Je suis déçu, vous êtes déçu aussi. Super, ça tombe bien, on est quitte. Bon les amis, je vais m'amuser à me refaire un joyeux bordel. Et vous savez même ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Mais c'est une idée que j'aurais dû faire dès le début. C'est, mais bien sûr, c'est de faire plein de contenants à bois en bas. Et de les envoyer en bas. Juste en les envoyant, ça va se stocker dedans. Alors je vous fais la démo et puis je fais ça après, tranquille. Regardez. Alors faut juste être malin parce que je sais pas encore vraiment où on va faire la maison. Voilà, grande réserve de bûches, d'accord. Donc écoutez, pour le moment, tu vois, je vais faire ça comme ça. C'est une plaisanterie, il me dit que j'ai plus de sticks. Avant il me disait que j'avais trop de sticks, fou de moi quoi. Wow, regardez, on dirait Jesus. Jesus Christ. Allez, mais boss, là tu me fais quoi? Ramène des bûches. Bah remplis le traîneau alors si tu trouves pas les contenants. Parce que moi, pour moi, les contenants ils sont pas remplis hein. Moi, pour moi, les contenants ils sont pas remplis. Putain, je reconnaissais même plus la maison. Là je vais récupérer des sticks. De toute façon il m'en faut 36. On peut pas en prendre plus de 20 de toute façon. Voilà. Et du coup on va voir comment ça va se passer. Après de toute façon l'idée, même si je balance à côté, ça devrait pas tomber bien loin je pense. Très honnêtement, mais ici là par exemple,
Je ramène les bûches ici. Enfin, je vais juste en prendre deux pour l'exemple. Et bien normalement je devrais bien m'amuser si je fais il est où le traîneau? Je vois même pas le... Je sais même plus où c'est qu'il est. D'accord. Oh, ils se sont mis, regardez. Ils se sont mis, c'est bon, c'est magique. Paris est magique. J'ai pas compris, on voit même pas le machin. Mais ça fonctionne. Donc les amis, je vais faire ça, je vais me faire un grand stock de bois. Et j'ai envie de vous dire à bientôt. Voilà, je... À bientôt, je vais bien m'amuser. Heureusement que je fais ça sur plusieurs jours, encore une fois. Croyez pas que je vais faire ça en une seule journée. Du coup, bah écoutez, j'ai vu que les bûches tombaient également là. Donc là, c'est pas mal. Si les bûches tombent ici, ça va en plus rebondir quand ce sera plein. Donc ça ira sur les trucs d'à côté. Je vais m'amuser, mais on va se régaler. Et la maison sera aussi en pierre. Ça, faut pas que j'oublie de, d'avoir une petite réserve de pierre quand même également. Allez, de retour les amis. je suis trop content. Je suis trop content. Voilà, on est vendredi soir. Il est à peu près 21h et quelques et je suis crevé. Alors les amis, donc nous y sommes. Vous avez un Mkolo 2.0 actuellement. Hein. Donc j'ai fait les fameux stockages juste ici. Donc avec du bois et finalement j'ai minimisé le bois. Bon, on dirait pas comme ça. Après, j'ai pas pu tout prendre. Hein. Mais j'ai minimisé le bois pour avoir quand même plus de pierres parce que, et encore, je suis même pas sûr qu'on en aura assez au final. C'est que les murs seront en pierre et le sol sera en pierre, je pense. Sauf si je change d'avis, on verra ça. Enfin, on verra ça, frérot. Il faudra quand même se mettre. C'est parce que c'est par là qu'on commence. Donc, bon, on verra. Ceci étant fait, regardez-moi ce petit coin de paradis. Parce que, du coup, il faut savoir que je passe beaucoup de temps ici, au final, à jeter les pierres, à les remettre ici. Parce que d'en bas, ici, c'est pas terrible. Le bois, c'est parfait, mais la pierre, c'est chiant. Bon, je passe beaucoup de temps, entre guillemets, ici. Et je me rends compte d'autant plus du potentiel. Déjà, je vous confirme. Je vous confirme que pour le moment, je me suis jamais fait attaquer. Pourtant, en haut, j'entends des fois quand ça grouille de monstres là-haut, d'accord? Enfin, de monstres, je me suis vu sur Minecraft. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ici, je sais pas si c'est un bug, si ça va être patché ou je sais pas quoi, mais personne ne vient me faire chier. Donc, tu vois, ah bah, je sais pas si vous avez entendu, on les entend hurler. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt tranquille. Bon, donc là, je passe beaucoup de temps et je me dis que donc là, la maison sera parfaite. Mais là, en plus... Je sais pas, mais il faudra qu'on fasse quelque chose. Peut-être des toilettes. Non, je ne sais pas. Il faudra qu'on fasse... Je deviens parano. Voilà. Là, il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose. Hein. Dans ce coin-là, il y a quelque chose à faire. Je sais pas quoi. N'hésitez pas à me soumettre vos idées en commentaire. Alors, on va commencer ensemble. Et puis, je pense que je vais faire des petites coupures, des petits accélérés, des petits trucs comme ça. Parce que je pense que je vais m'y reprendre plusieurs fois. D'ailleurs j'avais ramené ici voilà, j'ai mis une petite torche, j'ai mis deux collecteurs d'eau, donc il a pas encore plu. Et toute ma nourriture ici. Bon, j'ai un poisson avarié, le petit feu ici. Et j'ai trouvé la technique pour pas prendre de dégâts quand... Donc là je monte en haut avec la tyrolienne et pour descendre je passe par ici, juste là. Et là en glissant le long de la roche je ne prends aucun dégât, donc c'est parfait. Voilà, je vous montrerai après, on aura probablement l'occasion. Et donc voilà. Alors là il faut que je fasse encore travailler mes neurones ce soir. Ok. Je sais, voilà, si vous augmentez le son vous entendez les monstres. C'est effrayant les gars, c'est... J'avoue j'ai pas envie de m'effrayer, je suis assez chill. Donc c'est une bonne chose quand même d'être là. Parce que pour moi on va vraiment avoir aucun problème. Par contre je deviens parano. Et ça c'est un vrai problème. Bon bref. Donc écoutez, on va déjà commencer à tracer entre guillemets le pattern du bas. On sait pas encore si on va faire en pierre ou en bois. Mais bon, on aura l'occasion de voir. Bon déjà les monstres dans tous les cas ne peuvent pas venir d'ici. Sauf un gros mutant. Vous savez les gros mutants qui tournent sur eux-mêmes là. À la limite ça, ça pourrait passer. Donc attention tout de même. Mais ça devrait aller. Ok. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est très très chiant. Donc j'aurais dû commencer de là-haut. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Faut toujours commencer du point le plus haut. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça marche aussi mais c'est pas ça que je veux faire. Bon, j'espère que je vais pas vous ennuyer. Je vous parle très honnêtement. J'espère que je vais pas vous ennuyer parce que je suis un petit peu moins... un petit peu moins foufou, évidemment. Un petit peu moins... oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, voilà.
Je suis un peu fatigué et je suis trop content de pouvoir jouer et de pouvoir construire cette maison que j'attends depuis longtemps. Regardez, on voit Kelvin là-haut. Vous voyez, il cherche pas à venir. Je sais pas si vous le voyez, sa petite tête. Il cherche pas à descendre, à venir par là-bas. Donc ça veut bien dire que l'intelligence artificielle n'a pas l'ambition de venir ici, quoi. Ouais, ok. Donc ouais, je disais, je suis excité de pouvoir construire cette maison. Et en même temps, bah, si je fais pas ça maintenant, eh ben, vous n'aurez pas de vidéo samedi. Et ça m'embête de vous laisser sans vidéo le samedi. Donc voilà, je fais mon maximum pour vous la proposer. Allez, dis-moi que c'est assez. Non, ça suffit pas. Dommage. Ça c'est dommage de gaspiller du bois comme ça, mais bon. C'est pas grave, moi à chaque fois je le mets sur le côté. Toujours réutilisable. Hop. Oh putain, j'avais cru voir un... Non mais là je deviens vraiment parano, c'est très grave. C'est très très grave. Donc ouais, je vais pas faire un truc plus grand que ça. C'est vraiment... Enfin, plus grand en termes de largeur. Ça, parce que ça va permettre de faire un toit beaucoup plus sympa. Beaucoup plus cosy la maison. Je sais pas si je veux la faire en L. Je sais pas du tout. Faut voir. Oh non! Ça c'est chiant ça. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ça, ces petits rondins de bois, ça pourra faire un petit balcon éventuellement. Faudra qu'on voie. Bon, là normalement, là j'aurais besoin que d'une bûche. Sans la casser. Ah ben même ça, ça suffit pas. Oh, et ben attendez. Alors genre là c'est bon. Mais là c'est pas bon. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je ne sais pas. Hein. Je crois qu'on peut pas, mais bon, on va essayer quand même. T'as intérêt à rester là toi. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas poser. Vraiment de la merde. Excusez-moi. Comme ça. En fait, tu peux pas faire n'importe quoi comme tu veux. Là, j'aimerais juste poser ça par-dessus, mais ça ne marche pas, quoi. Bon, c'est l'automne, hein. L'hiver va arriver. Donc ça, ça me fait plaisir aussi, parce que l'hiver, il y a plein de méchants. Mais ici, on est, je l'imagine, safe. Donc ça, c'est cool. Bon, ben là, malheureusement, on va pas pouvoir... Ben, c'est pas grave. On va en profiter pour faire notre L. Merde. On va en profiter parce que là... Écoutez, je ne comprends rien à ce que je fais, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, de toute façon, tout est à la même hauteur. Ok. Et ben voilà, bah, c'est bon, on va pouvoir faire le fameux L. C'était pas prévu comme ça, mais c'est parfait. C'est-à-dire que là, je vais faire revenir ici, je vais faire revenir là. Voilà. Je ne parle pas de faire revenir à la poêle. Et attendez, regardez, bougez pas. Est-ce qu'il y a moyen de faire une économie ou pas là? Ah, d'accord, ça c'est gênant. Ça c'est très gênant. Vous savez que pour moi j'ai l'impression de commencer un nouvel épisode, alors que pour vous ça doit être interminable, hein. Je suis désolé. Régalez-vous, voilà, faites des pauses. Et voilà, on a notre forme en L. Ce qui fait que là on aura encore la vue. Là on aura encore la vue. J'ai pas l'ambition de couper les arbres là, je trouverais ça trop dommage. Oula. Et de toute façon, coucher de soleil, on le verra. Bah, de toute façon, on verra après. Mais voilà, j'ai pas l'ambition de... Je veux pas casser le truc. Alors, pour la suite on verra. Je veux dire, il y aura peut-être une extension ici pour l'entrée. Moi il faut juste une structure de base pour la maison. Et la maison, sa structure initiale, ce sera ça. Ce sera tout ce qu'on a là. Après le reste c'est du bonus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc bon, on va voir. Le sol, du coup, est-ce que je le fais en pierre ou pas? C'est ça la vraie question. Wow, je sais pas si vous les entendez, mais c'est violent. J'ai entendu un gros truc là en bas. Bref, ils sont en bas. Ouais, les maisons dans tous les maisons, les murs dans tous les cas, je vais les faire en pierre. Est-ce que ça ferait trop alors de mettre des... Écoutez, je sais pas du tout. Ah, de toute façon j'ai pas le choix de... Bon écoutez, je continue, on se retrouve après.
Alors ne faites pas la même erreur que moi, c'est que j'ai oublié de faire des piliers sur les côtés, comme un con, donc des supports. Donc en soi c'est pas dérangeant. Mais pour faire un toit après, bah ça va pas être possible. En tout cas ça va être dégueulasse. Donc ne faites pas la même erreur que moi les amis, à vous précipiter comme des trous de balles, parce que sinon vous allez devoir tout enlever. Voilà, c'est chose que je suis en train de faire actuellement. Ok, donc là je vais mettre ça comme ça. Et on va être malin. On va profiter de ça pour avoir un peu plus de hauteur. Est-ce que ça va marcher? Mais non, mais ça marche pas en fait. Je sais pas dans quel monde ça marche, ce que je voulais faire. Laisse tomber, des fois j'ai des idées, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Bref, tac tac tac. Oui, mais je suis censé faire comment ce que je voulais faire? Ah, attendez. En fait, si, on va quand même pouvoir faire ce que je voulais faire. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Et là. Oh, je suis un génie. Oh non. Attends. Oh non. Vous avez compris ce que je veux faire? Je pense bien que vous avez compris ce que je veux faire. J'ai trop le seum. Pourquoi je ne peux pas? Merde. Pourquoi je ne peux pas? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'un support? Non. Attendez. Si je fais ça. Putain. On va pas y arriver là. On va pas réussir ce que je veux faire. Vous avez compris hein, ce que je veux faire. C'est formidable. Sauf que c'est pas réalisable. Hop. Bon les copains, je pense que vous l'avez vu juste avant là. C'est très peu rassurant. D'un autre côté, comme dit, ça confirme ce que j'ai dit hein. Ça confirme ce que j'ai dit. Ah, Calvin est encore là, c'est bon, il est pas mort. Il y avait un gros mutant, justement le truc qui se tourne sur lui-même là, qui tu vois ce que je veux dire. Là par contre ça m'a vraiment pas mis bien. Moi j'aurais aimé que Virginia soit là. Elle a pas l'air de vouloir venir. J'espère vraiment qu'ils vont pas trouver un moyen de venir. Parce que les connaissants, ils sont capables de finalement venir. En tout cas, elle m'a observé de là-haut. Il n'a pas pu descendre. Mais il en avait envie. Bon. J'ai remis des structures de bois tout de suite. Parce que voilà, j'ai pas envie de me faire avoir maintes et maintes fois. D'accord. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire. Là, j'ai vraiment pas envie d'être stressé là actuellement. Là, après, je vais dormir moi, là, pour être honnête avec vous. Rien à péter. J'ai pas envie de me faire peur, on s'est déjà assez fait peur durant cet épisode, je crois. Non, merci, quoi. Ok, et là, on va aussi relier. Oh, les arbres qui bougent dans tous les sens. Merci, quoi. Bon, là, le soleil va se coucher, on va dormir, de toute façon. Ce sera déjà pas mal. Alors, attends. C'est ça qu'on veut? Non, c'est même pas cette taille, si? Non, ça c'est trop petit, ça. C'est trop petit. Elle me l'a souvent dit en plus. À une époque. Excellent. Je fais des blagues, hein. J'essaie de me détendre. J'essaie de me détendre. Voilà. Hop. Parce que. S'il te plaît. Oh non. Oh putain. Il est encore là. Il est en train de matraquer Calvin. Je crois qu'il a matraqué Calvin. Je suis pas sûr. Je crois qu'il a matraqué Calvin. Alors. Je veux bien venir l'aider, mais là il va faire nuit. Donc. C'est vrai que si Calvin meurt, c'est chiant. Oh là! Virginia! Elle vient d'apparaître. Ah oui, Calvin a été matraqué. Hein.
Par contre, on est d'accord que Virginia, elle vient d'apparaître là. Ça, c'est sympa, ça. Comment je fais pour monter, moi? Ah, mais je suis con. Voilà. Bon, Virginia est là. Donc, je vais m'occuper de Calvin. Oh là. Oh, oh la vache. Allez, relève-toi. Merci, Virginia. Ça m'avait pas manqué, cet endroit, finalement. Ça, c'est effrayant. La nature a repris ses droits, quoi. Ça va, Virginia? Putain, merci d'être là. Allez, Calvin, il va être bloqué. Allez, super bonne ambiance. Je vous montre par où je descends, en toute sérénité. C'est par ici. Et par là. Et donc là, sans aucun problème, je descends. Vous avez vu, je prends pas de dégâts. C'est parfait. Bon. Du coup, il y a le cadavre qui est là. Ça, c'est pas mal aussi, parce que en vrai, ça fait un trap. Ça fait un piège. Virginia, elle m'envoie les vilains. Et hop là. C'est pas mal, ça. Vraiment pas mal. Ok. Bah écoutez, on va dodo. On va dodo, on va dodo. Hop, sans aucun problème. Ok. Tout va bien. Tout va bien, il y a des feuilles qui poussent, très bien. Ah merde. Non, je fais n'importe quoi là, je suis navré. Mais moi là, ça m'a perturbé cette histoire. Hein. Ça m'a tout retourné là. Bon. Donc là. Tac. Oh, fait chier. Excusez-moi. Hop. C'est pas facile, facile. Hein. Bon. On va voir comment ça va se passer. Parce que là, moi, je sais pas du tout comment on va faire. Mais je pense que je sais. En faisant les planches pour le toit, je pense qu'on va pouvoir enlever le bois en dessous. Ça fera assez de support. J'en suis quasi convaincu. Ah, c'est gênant. C'est-à-dire que là, je fais ça. Ouais, parfait. Ensuite. Hop, voilà. Bon, écoutez, déjà, je vais faire ça, les amis, et on va voir par la suite. Ah ouais, je peux quand même pas enlever, vous voyez. Je peux quand même pas enlever. J'ai trop le seum. Je sais pas du tout comment faire. Oh si, si, on va trouver. Oh, franchement, on va trouver une solution. Alors attendez, j'ai peut-être découvert un truc. Si je fais ça. Ah non, je peux quand même pas. Alors c'est amusant parce que je peux enlever ici, d'accord. Je peux pas enlever à gauche. Alors là, va falloir m'expliquer pourquoi. Donc là, j'ai comblé, hein, évidemment. Là, je peux pas enlever. Là, je peux enlever. Ce côté-là, je peux l'enlever. Attends. C'est à cause de la pierre. C'est à cause de la pierre. Attendez. On va voir si ma théorie est bonne. Ok. Ok. Hop. Du coup, maintenant. Oh putain, c'est. Ok. Oh non, ça c'est chiant par contre. Oh, ça c'est chiant. Oh mon. Dis-moi. Ah, je peux quand même pas l'enlever, ça change rien. Donc c'est bel et bien le mur qui fait que je peux enlever l'un ou l'autre, quoi. Mais je peux pas enlever les deux en même temps, quoi. Comment ça se fait, quoi? Il faut qu'on trouve une technique, là. Si je fais ça. Peut-être. Non, je sais pas. Je vois pas comment faire. Et ça m'embête un peu. Parce que je pense que c'est possible. Alors, bien sûr, je peux enlever là. Ça, c'est pas le problème. Hein. Ça, c'est vraiment pas le problème. Bon, ça, je vais laisser. Ça va être vraiment sympa. Tu vois, c'est tout cosy, tout mignon. Ça va être vraiment chill. Mais ouais, quoi. Ce serait beaucoup mieux si on pouvait enlever ça. Si vous avez la strat, s'il y a un truc que j'ai loupé, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous attends de pied ferme. Et j'ai hâte de vous lire. Malheureusement, je vais pas pouvoir aller plus loin parce que ben, ça sert à rien si je me retrouve bloqué à cette étape-là. Et je pense que l'épisode est quand même assez long. Et de toute façon, sinon, j'arriverai pas à le sortir déjà samedi 16h. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, les amis. Là, je compte sur vous vraiment. Un maximum de soutien.
maximum de likes, les vos et les commentaires qui font plaisir, j'arrive plus à parler. Je vous laisse avec cette vue et je vous souhaite un excellent week-end. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.